Jean-Luc, hier soir, Kimek Giel joue de malchance ces derniers temps. Oui, c'est-à-dire que la dernière fois, c'est surtout un petit coup de malchance. Mais bon, ce qu'on veut y faire, c'est le règlement. Et voilà, on a perdu la seconde place, bêtement. Hein. Il était deuxième, il a été disqualifié malheureusement pour avoir gêné un rival. Oui. Mais ceci dit, la course était très bonne. Bon, c'était pas la même distance, certes, mais bon, le cheval revient à son meilleur niveau, c'est bien. La distance, justement, la longue distance, vous inquiète quelque peu? Bon, c'est pas que ça m'inquiète, il a fait des bons parcours sur la grande distance, mais c'est vrai qu'il affectionne bien les petites distances. Mais non, grande distance, il a fait des bons parcours, ça me fait pas trop peur. Il a eu prendre des troisièmes places auparavant, oui. Mois de janvier, mois de décembre, oui. Mais c'était soit sur la petite piste, soit sur un 2100. Ouais. Non, je pense que le cheval, c'est un bon engagement et il y est resté bien. Je pense que c'est l'écarté de la combinaison, c'est un peu risqué. Il y a quelques clients, mais lui en fait partie, sa forme est sûre. Oui, bon, je ne dis pas qu'il a une première chance, bien entendu, hein, mais il peut s'insérer en fin de combinaison.